propose donc de réaliser un site internet à l'aide de l'outil Wix. Celui-ci va vous permettre de réaliser un site gratuitement et de façon relativement professionnelle. Quels vont être les critères qui vont rentrer en ligne de compte pour le résultat de votre travail? Eh bien, certainement l'originalité, la créativité et le contenu. Alors, si votre site est graphiquement superbe, mais que par ailleurs, il n'y a absolument aucun texte, il y a deux, trois photos, un logo, une vidéo, ce sera évidemment trop juste pour espérer avoir la moyenne pour votre site. Donc, soyez attentifs donc à ces trois critères. Alors, si je passe à la diapositive suivante, vous verrez que nous allons entamer l'étape numéro 1 qui va consister à choisir votre sujet. Alors, le sujet est totalement libre. Il doit avoir trait, je préfère, à vos centres d'intérêt. Inutile de réaliser un site sur un sujet qui ne vous intéresse pas. Vous ne serez pas nécessairement motivé pour le faire. Alors, les sujets qui vous intéressent, bien, par exemple, ça par rapport à vos loisirs, ayant trait au sport, à la mode, la musique, au jeu. Mais attention, comme je l'ai déjà dit au cours, je ne veux pas un sujet qui soit trop vague, trop vaste, comme le football ou les jeux vidéo. Non. Si vous choisissez ce type de sujet, alors là, je préfère nettement que vous optiez pour un jeu vidéo en particulier, un joueur de football, etc. Donc soyez relativement précis dans le choix de votre sujet. Alors, à noter que vous pouvez également choisir un sujet fictif. Alors, par fictif, j'entends que vous pourriez imaginer que vous soyez à la tête d'un restaurant, d'une agence de voyage, d'un commerce quelconque. Et donc là, vous pourriez créer, par exemple, le site internet d'un restaurant ou d'une boutique en ligne. C'est tout à fait possible également. Alors, une fois que ce sujet est choisi, donc là, je vous laisse quelques minutes de réflexion, vous allez passer à l'étape suivante qui va consister à enregistrer un certain nombre d'images, de musique et de vidéos qui vont être insérées par la suite dans votre site internet.